Dans le sens, nous allons voir ensemble qui est capable de faire pour nous sauvegarder un document que nous faisons travail sur lui déjà. Alors, les membres sauvegardent un document, il y a deux choix. Le premier choix que nous avons, c'est que nous devons commencer le travail déjà. Et puis, dans mi temps route, nous sauvegardons le document. Comme ça, tout, nous devons pas de comité en rien sous page moyen, j'en dis à là. Et puis, avant même, moi, décider de mettre un objet quelconque sous page là, décider tout, sauvegarder avant. Alors, ou qu'a fait avant, qu'on s'a tout, ou qu'a fait après. Qui j'en connais dans le café pour nous sauvegarder un document? On allait. C'est même technique avec Word, là. Vous cliquez sur File, ou cliquez sur Save, ou bien Save As. Nous rappelons, différence qu'il y a entre Save avec Save As, c'est que Save as ou utiliser l'ob sauvegarder un document pour la première fois. Ou bien, peut-être lorsqu'au besoin, changer non un document qu'on a sauvegardé déjà. On avait sur différence tout à l'heure. Nous venons sur save ou bien save as. N'importe là d'ailleurs. Il ouvre banon qu'on y a là. Boîte de dialogue, ça. Qu'est-ce qu'on fait qu'on y a après? Faut aller dans la section save in pour aller dire machine nan, qui bon ou voulez sauvegarder document. Par exemple, mal sous flèche sac là, on clique sur lui. Il défile bon moi une liste et parmi liste ça qu'on y a là, moi pral décider qui côté moi voulais sauvegarder document. Par exemple, dire dans veux document sauvegarder document dans rubrique my recent documents, dire dans veux sauvegarder sur desktop là, dire dans veux sauvegarder document dans my documents ou bien sur disquette ou bien dans C ou bien dans D deuxième partition là. Ou bien sur un jump drive quelconque. L'essentiel, c'est que ou même ou choisissez sauvegarder le document que vous voulez. Bon, moi-même, je choisis sauvegarder sous jump drive moyen. Je clique sur lui. Automatiquement, je clique sur lui, mais tout ça qui gagne sous jump drive moyen. L'envie de machine qui bon à sauvegarder le document, malgré qu'on y a un côté marqué file name là. S'il y a un titre, on peut effacer le titre là, à l'aise. Et puis, moi, mettez un autre titre. Par exemple, moi, mettez Aldi, comme nom que m'bay fichier. Maintenant, l'offre m'bay fichier, non, m'dégue doit carrément cliquer sur save, automatiquement, document à sauvegarder. Mais comme c'est formé, m'a formé ou, faut m'inviter à aller plus loin que ça. On dit, par exemple, m'a utilisé Corel Draw version 12, version 13, excuse-moi. Kounyan là, ça passé, moi, suspecte que, document, ça, que m'a sauvegardé, à sous machine, moi, pour utiliser là, machine, ça, c'est Corel Draw 12 qui gagne. À ce moment qu'on y a là, faut me descendre version, hein. M'a pas quitté sous 13, parce que m'connais, si me sauvegarde un document sous 13, il pas ouvert sous 12. Par contre, le contraire, il vérifie. Si me sauvegarde une sous 12, l'a ouvert sous 13, à l'aise. C'est Pigoua qui prend Pipitia, Pipitia pas plus jamais prend Pigoua. Donc, si machine, moi, pour l'utiliser, fichier ça, si, moi, c'est vrai que c'est 10 qui gagne, ou bien c'est version 11, ou bien c'est version 12 qui gagne, faut m'bin là, dans t'y fait ça, m'cliquer sous lui, pour m'di machine là, dans qui version que m'veux sauvegarder fichier ça. Si c'est en 12, m'a choisi 12 dans licence. Si c'est en 11, m'a choisi 11. Si c'est version 7, m'a choisi 7. Ça va dépendre de vous-même, de machine, ou pas utiliser fichier là. 12, 13, n'importe là d'ailleurs. Le fini? Côté marqué save as type, non? Moi, je vais sélectionner, qu'on y a là, type de fichier. Ça n'est extension fichier. Par exemple, si je prépare un travail pour aller ouvrir un imprimé quelconque, et puis imprimé a dit, bon, et rend mon service fichier POTEA, pas POTEL dans version Corel Draw, mais de préférence POTEL dans version WPG. À ce moment, qu'on y a là, faut me venir dans liste ça là, pour me choisir WPG. Voilà. Et puis, après qu'on y a là, moi, prêt pour sauvegarder le document. Ça, ici, on m'a déminé en version quelconque. Maintenant, si pas m'a déminé en quelle version, m'a toujours quitté la version CDR, qui c'est version Corel Draw. Voilà. Et puis, dernier cause, m'a fait pas grand, rien fait encore, m'a juste cliqué sur save. Automatiquement, m'a cliqué sur save, barre de progression fin faite. Automatiquement, si mal en barre de titre en l'air, on peut marquer aldi.cdr. Nous rappelons que aldi, c'est non fichier A.
CDR, c'est extension fichier A. Et puis, GSAC devant signifie que fichier Aldian li sauvegardé sous drive G. Allez, sous machine pour là, essayez sauvegarder un document quelconque. Et puis après, on va dire comment ça t'est.